Je viens de suivre sur France Culture un débat autour de Didier Raoult, en 2019, et ça fait écho à mes travaux actuels qui font alterner deux logiques, celle de la conjonction Jupiter ascendant et celle du carré Jupiter ascendant. L'une est une logique mathématique, scientifique, mécanique, et l'autre est une logique plus affective, sociale, collective, etc., etc. Donc, ces deux logiques s'affrontent, et, comme je dis dans une autre vidéo, pourquoi l'une va l'emporter sur l'autre à un moment donné? Ben, ça tient aux configurations qui affectent les leaders en présence, en lice. Par exemple, peut-être que Macron actuellement entre dans une phase conjonctionnelle, avec une conjonction de Jupiter en Capricorne sur son ascendant, lui fait préférer une formule de premier type, c'est-à-dire confinement, rigueur, voilà, prévoyance, quitte à compromettre l'économie, etc. L'autre attitude, qu'il aurait pu avoir d'ailleurs dans un autre moment, mais c'est maintenant qu'on est, voilà, parce que dans X années, il aurait pu prendre, ou il y a X années, il aurait pu prendre une autre attitude. Donc, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un à propos de cette émission dire que, après tout, est-ce que la médecine relève de la science? Est-ce qu'il ne faut pas avant tout respecter les convictions, les croyances, même les espérances du client, quitte à ce qu'il pratique avec des placebos? Donc, tout dépend si l'on met l'accent sur ce qui est propre à l'homme, propre à notre société humaine, ou si on met l'accent sur une dimension en quelque sorte plus froide, plus extérieure, plus mécanique, plus scientifique, plus objective. Et finalement, face à ces deux options, eh bien, je dirais qu'astrologiquement, il suffirait de vérifier qui parle à un moment donné, et quelles sont les configurations que cette personne a à ce moment-là, pour expliquer pourquoi il optera pour la phase, pour la solution A ou pour la solution B. À un moment donné, il aura pu à un autre moment dire autre chose. Et à un autre moment par la suite, il dira peut-être encore autre chose.